t'en veux plus. Mais je suis amoureux, les mecs. Il faut que je dise la vérité. Mais dès ce soir, vous m'entendez? Dès ce soir. Je l'adore, il me fait rire. Hey, Julia, he is gay, no? Je sais, mais il me fait rire, c'est tout. Tant de boîtes, Meyer, 18 ans d'expérience. La considération, ça vous dit quelque chose? Mais c'est pas ça, c'est, je ne suis pas en train de remettre en question votre expérience, José. Ce que je dis, vous êtes... je dis simplement, essayez de vous tempérer un petit peu, calmez-vous, parce que là c'est trop. J'ai peur. Stop. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas travailler avec des... Vous avez pété, là? Attention, mon chéri, bois pas trop vite, tu vas te brûler. Mange d'abord tes 5 fruits et légumes. Non, mais ils sont cool, là. C'est très bon pour ta santé, tu vas voir. Bon, et à part être coiffé comme un dessous de bras, tu communiques des fois ou pas, voilà? Jean-Martial, sois gentil avec ta sœur. Mais attends, maman, elle m'envoie un texto pour que je lui passe le sel, s'il te plaît. C'est quand même hallucinant. Bon, hey, si tu veux de la moutarde, hein, tu communiques avec des sons qui sortent de ta bouche. Mais devenez autiste ou quoi, là? Silence, il va résoudre l'intrigue. Ouais. C'est lui, la brocante. Qu'est-ce qu'il est fort, hein? Ouais. Et pourquoi pas les experts pointe-à-pitre pendant qu'on y est? En arrivant ce matin, j'ai remarqué ça sur mon bureau. Ils sont encore là, quoi. Il m'en manque un, là. Merci, pas. De rien, mon chéri. Maman. Ouais, vas-y, Bolos, qu'est-ce que tu fous? Ah là là, mais tu touches! Bon, déjà, on t'a jamais appris à frapper avant d'entrer quelque part? Non, attends, mais c'est quoi que tu caches, là? C'est quoi? C'est un magazine de cul, c'est ça? C'est quoi? C'est du shit? T'as du shit? Du shit? Non mais ça va pas bien ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? T'as un joint sur toi ou pas? Non mais pas du tout, enfin ça m'entend quelque chose. Attends, mais t'es en train de me dire que tu te drogues là, c'est ça? Non mais il pourrait arrêter là, franchement, mais c'est insupportable, hein. Faut arrêter là, parce que franchement c'est insupportable, hein. Il se fout de ma gueule ou quoi là? Il se fout de ma gueule ou quoi? Non mais ça suffit là-haut! Mais ça suffit là-haut! Bon, Théo, je vais demander à votre cousin, s'il vous plaît, de quitter mon bureau. De quitter mon bureau? Oui, bien sûr. Non mais arrête, Daniel. Mais c'est ça, ouais. Eh bien, tu lui raconteras ton barbecue avec Ben Laden, hein. Ah, je viens. James, tu te souviens de Paolo, la télépeinture avec Natasha? Ouais, enfin, vaguement, ouais. Ça serait bien que vous fassiez un peu connaissance. Je suis sûre que vous allez très bien vous entendre, hein. Imagine-toi que le public, c'est comme un immense bâton de dynamite, avec une mèche qui s'étend à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et ben moi j'arrive et je fais l'étincelle. L'étincelle qui fait tout péter. Et qui transforme la salle en feu d'artifice. C'est ça mon job. Mettre un arc-en-ciel dans l'esprit et dans le cœur des gens. Pour que le public n'oublie jamais. Et s'en souvienne pour toujours.